Oh my god, il y avait deux meufs qui étaient tellement belles, elles m'ont tellement tapé à l'œil, bro. Bon tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, jour 3 à Punta Cana. Je me suis inscrit à une activité de boat party, là, ça veut dire en français. Fête sur un bateau, c'est ça, une grosse fête sur un bateau. Donc là, il y a beaucoup de touristes sur le bateau. On est là-bas, on mange, on boit des boissons si on veut. Moi, je prends du coca, bien sûr. On prend des snacks, on peut prendre des photos. On va arriver à un endroit, il y aura des dauphins. On peut pas aller nager avec les dauphins, mais on peut les voir de loin. Là, il faut juste que je descende. Apparemment, le bus m'attend. Donc là, je vais descendre, aller prendre le bus. Ensuite, là, il va me déposer. Là, il y a le bateau, un catamaran. Le bouc me dit de descendre. Wesh! Non, 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 non. Wesh les gars, de base il m'avait dit de descendre à 13h20 et là actuellement il est 17 là, donc là je voulais faire mon intro avant de descendre et là tu vois arriver en bas, prendre le bus et juste aller faire le bateau et tout. Il vient de m'écrire, vous avez entendu la notification, qu'ils sont en retard de descendre à 14h. Non 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 non. Je suis déjà prêt, mon sac est là, il me dit d'attendre encore 40 minutes. Ok je l'ai écrit, ok je vais attendre alors, c'est bon. Les gars, il est actuellement exactement 14h01 et il n'y a aucun bus devant l'hôtel là, regardez. Je suis là, j'attends et il n'y a rien là. Il m'a dit d'être dans le lobby. Le lobby, c'est ici. C'est ici le lobby. Je vais aller m'asseoir à l'intérieur, hein, honnêtement. Et gusta, me gusta, je ne sais pas. Oh, c'est arrivé? Oh non. Oh, j'ai vraiment cru, frère. J'ai appelé le bug. Yeah, I'm good. Are you coming? Yes, yeah, they're going right now. Let me call them and make sure where they are. Enfin! En gros, c'est pas lui qui vient me chercher au fait, c'est genre la compagnie qui vient me chercher. Parce qu'elle a dit qu'il va les appeler pour voir où ils sont rendus. Oh! Il y a une voiture qui vient d'arriver. Il y a une grosse voiture qui vient d'arriver. Paribot. Yeah, Paribot. Les gars, enfin! Yo, Esteban esperando. Yo tengo rato aquí. Ok. Tengo 15 minutes esperando. Ok. Je viens de lui dire que j'attendais au fait. J'ai traduction. La musique ici est trop cool, les gars. Même si je comprends rien, j'aime bien. Yeah. La musique espagnole est bien. Et ça, c'est mon son. C'est moi qui l'ai dit de mettre. Ce son-là, je l'ai saigné. Je l'ai saigné tellement. Oh bon rien mais je suis où? Bon rien mais c'est où? Ponle el rolo a la no. La musique, les musiques espagnoles sont trop lourdes, les gars. Fename en el party. Ça aussi, c'est un autre lourd. Oh, ah, ah, ah. Ah, je comprends rien, c'est juste, ça fait danser, quoi, tu vois. Les gars, on est arrivé. Bon les gars, on monte bientôt sur le bateau, regardez, j'ai ma carte ici. Et je suis mis avec un groupe de personnes là. Donc là, il y a deux meufs qui sont ensemble et le reste c'est genre trois gars et deux meufs, tu vois. Et moi je suis le seul qui est seul là, mais bon c'est pas grave. Let me give you a little word to press it for free. For free? Yeah. What is that? Ticket for good luck. Look, Dominican for you. Tu parles français? Ah, je parle français à mon ami. Moi aussi, bro. T'es haïtien? Oui, je suis haïtien. Tu parles créole? Oui, moi. Vraiment, on parle créole, man. Mon cher. Montrez-moi Mia dans la vidéo, là. Ça, c'est Mia. Montrez Mia dans la vidéo, là. Mais oui. Yeah. Mais oui. Les bagages sont louis, là. Oui. Ouais. Comment est la République dominicaine?
Tout bagaille normal, bien. Tout bagaille bien. Yeah, bien. Comment les moun? Les moun. En pile touriste. Pile moun, et puis tout l'escalade, États-Unis, France. Tout bagaille net. Yeah, tout bagaille net. Est-ce que tu penses que je suis haïtien? Je sais pas. Est-ce que j'ai l'air haïtien? Est-ce que genre. Non, tu n'as pas l'air haïtien. Quand je parle, est-ce que j'ai l'air haïtien? Non, tu n'as pas l'air haïtien. Non, je sais pas. Tu parles le créole. Non! Avec français mélangé. Ok, c'est parce que j'ai beaucoup de, je connais beaucoup d'haïtiens, donc quand ils parlent devant moi, ça rentre dans ma tête là. Ok, c'est ça. Ouais, leur mère. Pas le normal, c'est pas pour normal. Ça que je sais que t'es pas haïtien. Parce que leur mère les insulte là. Okay. Baga, get maman ou tout. C'est quoi ça, get maman? Get maman, ouais, yeah, yeah. Ta mère, c'est ça. C'est beau. Maman, faites sur un bateau là. Genre, c'est parfait à faire quand t'as des potes, quand t'es avec des potes, tu vois. Je pense que c'est pas un truc qu'il y a à faire quand t'es seul comme moi là. On voyage seul. Mais bon, c'est une expérience à vivre, c'est cool. Parce que les gens qui sont là, la plupart se connaissent, tu vois. Wesh, le bateau marche pas ou quoi? Là vous me voyez bien, je pense que je vais rester comme ça tout le long. En vrai, je suis trop beau, bro. What? Bro, je suis, genre, surtout ce bateau là, les gars. Je suis le plus beau gars ici. La tête d'un bateau, sur la tête du bateau. Je suis le plus beau ici. De vrai, et personne ne me comprend parce que je suis français. Ça, c'est l'avantage de parler français. On est sur le bateau là. Hell no, que je fais ça. Imaginez, je fais ça et je me retrouve dans les backrooms là. Mais la musique, frère, droit d'auteur. Yeah. Yo. I've been working my whole life, but I ain't never punched a clock. 9 years old, I seen a nigga get shot. Damn. Les gars, c'est du Coca-Cola. C'est du Coca-Cola, ok? Oh yeah, ça c'est mon son. You ready? I used to pray for times like this, to rhyme like this, so I had to grind like that, to shine like this, in a matter of Yama! Never be a bar. Je rappelle que c'est du coca, regardez. C'est pas de la bière ou bien d'alcool, c'est du coca, Coca-Cola. Ok? Now watch me. Now watch me, nana. Les gars, c'est leur anniversaire avec tous. Toutes les filles là. Et le gars aussi. Ça fait genre 3 heures qu'on laisse le bateau là. 3 heures les gars. Les gars, je vais pas vous montrer ça. Je vais pas vous montrer ça, les gars. C'est impossible. Bien. Yes. Oh non. Mais bon les gars, je viens d'arriver à la maison, ben, à l'hôtel, et puis c'était tellement bien. Et oh my god, il y avait deux meufs qui étaient tellement belles, elles m'ont tellement tapé à l'œil, bro. Celle avec qui j'ai chanté baby tout à l'heure là. Et une autre, je vais pas vous dire c'est qui, devinez dans les commentaires. Mais yo, oh my god, c'était tellement belle. Oh, ils viennent des États-Unis
Et malheureusement, j'ai pas pris son contact, les gars. Fuck, je suis bête, j'ai pas pris son contact. Mais il y a une chance que je pourrais l'avoir ce soir. Parce que tout sur le bateau, il y en avait plein qui se connaissaient pas. Et tu vois, il y avait plein de groupes. Et tout le monde, ensuite de ça, ils ont commencé à parler, tu vois. Et ils se sont tous dit qu'ils vont aller ce soir faire la fête d'un endroit là, d'un endroit assez populaire ici en République Dominicaine. Il y a des chances aussi que j'y aille, mais je sais pas, je suis pas sûr, tu vois. Moi, la vérité, je suis très introverti. Hein. Peut-être ça se voit pas. Vous êtes comme, hein, t'es introverti, Junior? Oui, les gars, si on est tous dans une salle, genre tout le monde, toi tu regardes la vidéo là, on est tous assis dans une salle, je vais même pas parler. Je suis comme ça, genre je suis vraiment introverti. Et puis quand on était là-bas là, malheureusement, tu vois, genre tout le monde avait un groupe. Je vais aller comme ça. Oh, ça va? Oh, ça va? Je suis pas comme ça. Je suis pas extraverti comme ça. Je suis pas à ce point. Ça dépend vraiment. On dirait que je peux être introverti et extraverti. Mais là, aujourd'hui là, j'étais vraiment introverti. Mais il y avait un bouc qui était seul, tu vois. Il est seul, je suis seul. Yo, ça va mon bro? Il vient de la Colombie. C'était le gars qui était à côté de moi là. Lui était quand même extraverti. Donc là, il parlait avec beaucoup de gens quand même. Et puis c'est lui qui a entendu que tout le monde a dit que tout le monde doit venir faire la fête là-bas. Et là, il m'a dit ça aussi. Yo, toi, si tu vas aller? J'ai dit oh. Après la menace, il a dit si personne y va, je vais y aller avec toi. Mais c'est sûr que tout le monde y va. Ils y vont tous. Eux tous y vont. Ce soir à 21h, là il est 19h, ce soir 21h, 22h, tout le monde y va, tout le monde y va. Et puis le book il m'a dit ça, sinon j'aurais pas su en vrai, j'aurais vraiment pas su. Le book m'a dit ça, il a dit on peut aller ensemble, donc là j'ai dit ok. Il a pris mon contact là, et là maintenant je suis en train de l'écrire. Ah il vient de m'écrire qu'il est en train de manger, à quelle heure on y va. Je vais lui demander à quelle heure tu peux, at what time you... Là je lui envoie un message là, à quelle heure lui il peut. Et puis nos caves si j'y vais, là je vais voir la meuf pro. Et là, je m'en fous, je pense encore à... En plus, on s'est dit bye, bon, elle a dit bye twin. Comment ça twin? Twin, ça veut dire jumeau. Genre, tu vois twin en anglais, genre. Tu comprends anglais, tu vois ce que je veux dire. Comment ça twin, nigga? No twin, no twin here, no twin. Fuck twin, nigga. Et il y a aussi beaucoup de trucs que j'ai coupé là parce que c'était un peu trop... Twerky. Tu vois les meufs là et tout. Et voilà, car sinon c'était vraiment grave cool, les gars. Je me suis amusé, je suis pas entré dans l'eau. Et en plus, vous voyez quand tout le monde était dans l'eau là, quand on arrivait à un endroit, tout le monde est sorti. Comme pas tout le monde, mais genre ceux qui voulaient aller dans l'eau, aller dans l'eau là. À ce moment là, il y en avait qui étaient comme. Il y avait une meuf là qui était comme. Viens, mais qui? At what time it's okay. Je suis en train de manger actuellement. Ok, il me demande à quelle heure je vais y aller et il est en train de manger actuellement. Ok, bref. Quand j'étais sur le bateau là, je filmais un peu l'eau là, et il y avait des gens dans l'eau. Il y avait une meuf là dans le groupe de trois gars et trois filles là, qui a dit oh, come in the water, comme descend. Après j'étais comme nah, tu vois, genre j'avais vraiment pas envie de mouiller, les gars, genre. Puis là j'étais comme oh, after, tu vois et tout. Mais sinon c'est ça, les gars, genre fuck bro, pourquoi je dis j'étais introverti bro, sinon. Mais bon, bref, ça dépend des jours là, introverti, extraverti. Non, en vrai je sors pas bro, je vais dormir, je vais rester à la maison bro, je vais rester à l'hôtel, les gars. Faut d'achète, moi je sors pas aujourd'hui. J'ai juste pris mes souliers pour les ranger. Je vais nulle part. Donc voilà pour la vidéo. Likez, abonnez-vous, dites-moi ce que vous avez aimé, si vous avez aimé ou pas. Je pourrais pas vous tenir au courant si j'ai réussi à y aller. Si je suis allé finalement et si j'ai réussi à prendre son minimum son Insta. Insta, je dois prendre un réseau. Minimum. En plus je l'ai pris des photos, frère. Elle m'a demandé de me prendre des photos et tout là. Parce que elle est pas allée dans l'eau. Comme tout le monde. Moi si j'étais pas dans l'eau, tu vois. Donc là j'ai pris take some pictures. Et tout là, mais bon, bref, comment vous tenir au courant? Si tu veux savoir si j'ai réussi à avoir son contact ou quelque chose là, tu m'écris sur Instagram. Non, d'abord, tu me suis sur Instagram et tu m'écris Junior, t'as réussi ou pas? Et là, je vais te répondre. Sinon, je vais pas faire une vidéo juste pour dire oh les gars, finalement, j'ai réussi à prendre son Insta et là maintenant, je vais la texter et là maintenant, elle habite aux États-Unis. Non, hell no, fuck that, bro. Fuck that, juste si tu veux savoir, tu me suis sur Instagram et tu m'envoies un message Junior, comment ça s'est passé avec la meuf? T'as réussi, t'as floppé ou quoi? Voilà. Like, abonne-toi si c'est pas encore déjà fait, les gars.